Isabelle Fournier bonjour. bonjour vous êtes syndic de copropriété à Paris alors qui doit garantir les fonds des syndicats de copropriété finalement Écoutez, on peut se poser légitimement la question. C'est vrai que nous, professionnels de l'immobilier, nous sommes essentiellement avec des comptes de copropriété en compte unique, dit compte unique. Et à ce titre, nous, nous avons des, la garantie des fonds déposés auprès d'un organisme certifié. Maintenant, c'est vrai que si les comptes sont des comptes séparés, on peut se demander qui doit garantir les fonds déposés des copropriétaires. Et pourquoi ce ne serait pas, par exemple, les banques elles-mêmes qui garantiraient ces fonds, puisqu'ils vont être titulaires des, des comptes séparés des copropriétaires. Et de même, l'État viendra-t-il en garantie des fonds, en garantie des banques, où les fonds des copropriétaires seront déposés Telle est la question. On ne sait pas, on ne sait pas encore y répondre. Est-il prévu par les banques de rémunérer le compte séparé Ah non, ils ne l'envisagent même pas. Euh, en revanche, euh, les copropriétaires doivent s'attendre à des frais euh, relatifs euh, à ce compte euh, séparé, mmh. à savoir euh, des, des, des frais de lettre chèque ou de chéquier, des frais de tenue de compte, vraisemblablement ou très vraisemblablement des agios. Euh, on sait comment euh, la gestion, la trésorerie d'une copropriété euh, fluctue et nos conseils syndicaux d'ailleurs qui suivent avec nous les, les balances quelquefois au mois le mois, voire à la semaine, voit très bien le manque de trésorerie à certains moments. Donc euh, il faut s'attendre effectivement à ce que nous ne puissions pas à certains moments euh, payer euh, certains règlements et que nous soyons obligés d'attendre euh, les, les, rentrées, les rentrées de trésorerie. Bien, merci Isabelle Fournier. Je vous en prie.